Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce numéro de photographie, vous y verrez le Nil tel que je l'ai connu, mais aussi les menaces qui pèsent sur l'entente entre l'Égypte et l'Éthiopie, qui veulent se faire les guerres. L'Égypte est un don du Nil, disait Hérodote. Comment en effet aurait pu naître et s'épanouir la civilisation égyptienne s'il n'y avait pas eu le Nil, sans la crue qui, chaque année, vient fertiliser le désert avec ses limons et son eau. Ces limons venant des hauts plateaux éthiopiens. Alors ce pays, moi, je l'ai adoré. Alors je l'ai adoré pourquoi? Eh bien, avant tout, à cause de sa lumière. Photographe, la lumière est une chose extraordinaire. Et là, en Égypte, c'est un don du ciel. Le fleuve est bordé de somptueux temples qui en disent long, très long, sur l'avancée de cette civilisation absolument extraordinaire. Il y a également de fantastique, c'est ce grouillement d'hommes et de femmes. Le Caire, par exemple, est la première ville d'Afrique avec 24 millions d'habitants. Thank you.
je suis allé en Égypte une dizaine de fois à partir de 1974. J'ai donc vu la société égyptienne se transformer. Les femmes, qui étaient non voilées à ce moment-là, en 1974, elles ont maintenant une autre tenue vestimentaire. Et les temples sont de plus en plus sécurisés. La police est partout. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentats islamistes en Égypte. Alors, avec le 21e siècle, arrivent d'autres menaces pour le Nil. En effet, l'Éthiopie a construit un énorme barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance. Il a été construit sur le Nil bleu et il se pourrait qu'il puisse priver l'Égypte et le Soudan d'une eau précieuse. Alors attention, attention, car l'Égypte et le Soudan ont demandé à l'ONU d'intervenir. L'ONU n'y arrive pas et nous allons petit à petit vers une confrontation armée, une guerre de l'eau. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit récit vous a plu. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, au revoir.